Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver l'anneau du serment du chat. Donc qui est là, qui est un anneau PVP. Quand vous allez l'équiper, vous allez envahir automatiquement des joueurs qui se baladent dans la forêt de Noirsouche sous forme humaine. Donc voilà, je vous invite à le faire seulement en fin de jeu. Tout simplement parce que quand vous allez devenir allié à la forêt, les PNJ de la forêt ne vous attaquent plus. Notamment ceux de la plus grosse technique de farm d'XP du jeu. Et du coup, si vous rejoignez récemment, bah, vous ne pourrez plus faire cette technique. Du coup, faites ça en fin du jeu en fait. Quand cette technique devient un peu obsolète, parce qu'il vous faut beaucoup trop d'XP pour prendre un niveau. Mais faites surtout pas ça en début de jeu. Alors vous allez voir que dans la vidéo, j'ai confondu l'anneau du serment du chat avec l'anneau de la brume. Donc vous posez pas de questions par rapport à ça, c'est juste une erreur de ma part. Mais voilà, on va faire le chemin ensemble en partant du feu du forgeron. Alors, on part du feu. Et premièrement, normalement à ce stade du jeu, vous devriez déjà l'avoir fait. Mais il faut parler au forgeron. Ah, bah oui, tiens la grande braise. Et acheter objet. Et il faut, bah on l'a plus parce que je l'ai acheté. Il faut lui acheter. Hop. L'emblème d'Artorias qui coûte 20 000 âmes. Et regardez, ouvre les portes au cœur de la forêt. Et ça va être nécessaire pour la suite. Donc vous l'achetez au forgeron. Et on va aller ouvrir la porte. Alors j'ai déjà ouverte. Hein. Par contre j'ai 60 000 âmes donc je vais aller prendre des niveaux. Et là on va tout simplement longer la gauche et aller tout droit. Hop, et hop. Hop, et hop. Hop, hop, hop. 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 Ah là là. Mettez plus d'ennemis, hein. Et là, regardez, il y a la grande porte protégée par l'emblème d'Artorias qu'on va ouvrir avec. Là, on tape le mur invisible et on débloque le feu. Ensuite, on doit aller tuer tous les ennemis parce qu'ils vont nous embêter. On doit parler à un PNJ et ils ne nous laisseront pas parler au PNJ. Je vais partir sur le postulat que vous êtes pas stuff et nul. No offense. Et on va faire une petite technique pour battre les ennemis de la carte très facilement. Donc normalement vous connaissez la technique à ce stade du jeu je suppose. Mais c'est une technique de farm d'XP, la meilleure du jeu, qui vous permet de tuer tous les ennemis et d'avoir plein d'XP en boucle. Alors sachez que si on va récupérer l'anneau de la brume, on devient des alliés de cette forêt. Et il me semble qu'il y a l'un des ennemis là qui nous attaque dans cette technique de farm d'XP qui disparaît. Et du coup, bah, la technique de farm d'XP devient moins ouf, il me semble. Donc on va vérifier ça juste après. Et je vous dirai si ça vaut vraiment le coup en début de jeu de le faire. Hop. Hop. Et je te pousse dans le vide. L'autre il est tombé dans le vide. On va attendre que le mage y piffe toute sa magie. Ok, je crois qu'il a plus de magie. L'autre il est tombé dans le vide. Hop, et il est tombé dans le vide. Maintenant qu'ils sont tous morts, on va les parler au PNJ qui nous donne l'anneau de la brume. Et on va regarder ensemble si on a vraiment perdu de l'XP. Parce que peut-être que je dis des bêtises. Mais il me semble typiquement que le fantôme par exemple n'apparaît plus après. Donc là on parle au chat qui est juste là.
Et là vous faites accepter de le rejoindre. Lisez les dialogues hein. Bon je m'en fous, j'ai fait le jeu 350 fois. Vous mettez oui. Et vous rejoignez le serment. De toute façon vous pouvez changer de serment à tout moment, on s'en fout. Et prenez cet anneau. Anneau serment du chat. Donc quand vous équipez l'anneau serment du chat, en fait vous êtes appelé en PVP pour protéger la forêt. Donc en gros si un mec est en humain et se balade dans la forêt et que vous êtes équipé de cet anneau, vous allez l'envahir automatiquement. Mais du coup... Bon, du coup c'est pas l'anneau de la brume, du coup je sais plus où on obtient l'anneau de la brume. De toute façon quand... Bon c'est pas grave. Bref, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.